Je suis très heureux d'avoir gagné ce deuxième titre avec Mazembe. Après une partie pas du tout facile, à 2-0, on pensait que ça allait être facile, mais la preuve que non, on a eu un petit relâchement. Et Renaissance en a profité tout de suite. Renaissance a fait un bon match, a essayé de nous gêner dans pas mal de domaines. Mais ce qui est bien, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a mieux maîtrisé notre match, avec beaucoup d'occasions de but à la clé. Et on a pu faire le break et remporter ce match de façon très positive en deuxième mi-temps. Voilà. Vous avez été flatté par cette super coupe, à la qualité des jeux. Oui, non mais Renaissance c'était très combatif, hein. Ça a été un match âpre, difficile. On s'y attendait et ça n'a pas été facile. Et par contre, je le répète, la deuxième mi-temps a fait la différence. On était vraiment beaucoup mieux dans l'aspect défensif et offensif. On a su mieux gérer la deuxième mi-temps et c'est ce qui a fait la différence. C'est la discipline qui me fait vivre comme ça. Moi je continuerai toujours à apprécier toujours bien. Parce que ces coupes, on avait vraiment besoin. Ok, ça allait bien. Tout le monde peut avoir toi qui nous venons dans l'Ingibisoming. En tout cas, merci pour la population Yonsakin. C'est votre premier titre au club. Qu'est-ce que ça représente? Écoutez, que je sois là ou pas, l'important c'est que le club a gagné le titre. Moi, je suis content de prendre ce premier titre avec le club. Et je crois que ça va créer. Ça va créer vraiment de l'ambiance et ça va nous aider à continuer pour le reste. Alors, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt ce match. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a fait la particularité du TP Mazembe dans ce match contre Renaissance? C'est de l'expérience. Je dirais que c'est de l'expérience. On a une grande équipe et on a des joueurs expérimentés. On a de la qualité. Je crois que c'est ce qui a fait la différence. T'inclinez 1 contre 3 face à la formation du TP Mazembe. Qu'est-ce qui n'a pas marché, coach? Le manque de maturité. Manque de maturité contre une grosse équipe de Mazembe qui est rodée, qui est en compétition. Nous, on a arrêté depuis presque plus d'un mois et demi. On a eu des nouveaux renforts. Malheureusement pour nous, vous avez vu le match. Le but pour Renaissance, ce n'est pas d'être ridicule. Vous avez bien vu, on était plus proche d'égaliser à 2-2 que de perdre 3-1. Malheureusement, on a encore des joueurs très jeunes qui n'ont pas encore la gestion des temps faibles. Donc ça, on va travailler dessus. Le but pour nous, c'était de rendre fiers nos supporters. On s'excuse auprès de nos supporters parce qu'on voulait leur amener la coupe. Pour nous, c'est un match de gala. Donc, Topoli 3-1, Zabale. Donc, tu as mis un travail sur le sous-sous. Mais c'est une équipe à mon côté, c'est une équipe à mon aîné. Tu s'attendais que tu sois 10 à 0 ou bien 11, mais tu as 3-1. Donc, ça nous a vraiment plaisir, l'équipe n'a pas été en place.